Giovanna Marsicot, je suis une Italienne transplantée en France et je m'occupe de santé, de démocratie en santé, d'information. Je suis arrivée à la santé parce que j'ai eu dans mon expérience de vie des rencontres à plusieurs reprises avec la maladie et puis notamment des personnes proches pendant mon enfance, pendant mon expérience de mère. Et je pense que chaque malade que j'ai rencontré a été particulièrement touchant parce que la maladie arrive dans la vie d'une personne et elle chamboule tout. Ça a une violence incroyable, la vie normale, un jeune, un enfant, un adulte qui mène son quotidien de façon normale, le travail, et puis à un moment, paf, il se retrouve confronté à un monde qu'il ne connaît pas, à un langage qu'il ne connaît pas, à des traitements, à des outils, à des techniques, à des technologies qu'il ne connaît pas. Et ceci provoque une capacité de l'individu de se ressaisir et de faire quelque chose. Même si la maladie, pour moi, ce n'est pas un bien, ce n'est pas quelque chose de positif, mais ça n'empêche que à travers la maladie, une personne peut devenir plus riche. Le grand expert de la maladie, c'est le malade. Et c'est lui qui doit pouvoir conduire et prendre des décisions sur son expérience.